monsieur dans émission ça qui gagne award monsieur ULCCA nous avons deux dossiers à prendre ensemble. On allait d'abord dans le détail et ULCC d'abord. Okay? Mettre Aviol Fleurant. ULCC déshabillé Aviol Fleurant. Avocat de son état, Negwanamet, on se le rappelle. Ancien ministre de la planification et de la coopération externe. Avocat de renom dans le pays. ULCC, dans la question pas présentée à l'heure et déclaration de patrimoine. L'été acheté 6 chaînes l'or avec diamant 2008-2017 pour 12 500 $ américains. Bien. Deuxièmement, nous débattons de ça déjà. Deux anneaux. Bon, mon tout qui t'a acheté. Oui, deux anneaux 2008-2017 pour 2 500 $. Bien. Bien. Trois lunettes 2016-2017 pour 3 500 $. Quel bagaille. Deux montres 2016 pour 2 000 $. Un bracelet. Un bracelet 2015 pour 1 500 $. Matériel pour divin et vaisselle 13 000 $américains. Ça c'est. Sans dire là. Ah, j'entends dire oui. Et ça c'est maître Aviol Fleurant. C'est dans le cadre d'enquête ULC a mené. Matériel pour divin avec vaisselle pour 13 000 $américains. Maman. Monsieur Aviol Fleurant. En lui-même avec madame ni, il y a 16 comptes en banque. Pendant que l'État du ILCC, il y a seulement 5. Donc, monsieur Krasé tête net, dans la déclaration qu'il fait au niveau du ULCC, il a menti selon ULCC. Et c'est ça que tu as la cause que il prend décision pour capable de voir la juger devant le tribunal et criminel. Donc, avocat de son État, monsieur t'a gagné pour le passer devant la justice pour lui poser la question qu'il faut et faut t'a mettre monsieur côté pour machine pas craser avant longtemps. Donc mettre Aviol Fleurant dans gros problème. Nous pour aller avec dossier. Donc on faut tu dans Esaïe César ça dit que Aviol son équipe éclairé en pile parce qu'on est capable et bijoux de valeur ça yo. Donc son équipe comme bouche et tout ça c'est l'argent l'état. L'argent l'état. Okay. On a le SNGRS. SNGRS. Donc, demandez pour mettre un barcode. SNGRS. Au cours de la période, alors, de décembre 2021. Le directeur, comment le quoi? Et non directeur là, c'est Germain Polémon. Germain Polémon. Max Alex Joseph. Ok. Toi, dis-moi, oui. Oui. Ok. Alors de décembre 2021 à avril 2024, le SNGRS a décaissé plus de 227 millions de gourdes pour l'acquisition de carburant diesel. 227 millions de gourdes. Oui, pour débloquer, comme ça pour acheter gaz pour l'entreprise là. Ok. Il a gagné legacy et distribution. Alors que l'institution, pendant la période ça, consommait seulement. Pour multiples opérations, li, environ 102 millions de gourdes. Fais sous cette somme, s'il vous plaît. 227 millions de gourdes. Fais pour moi, pour moi, rapide. Ok. Et 227 millions, ils ont débloqué pour acquisition de carburant. Mettre des mises à l'abri après. Pour opération, ils ont seulement utilisé 102 423 000 gourdes, 688 gourdes de carburant. Ce qui donc, c'est 102 423 000, 688 000 gourdes de carburant que utilisé pendant que vous débloqué pour carburant 227 millions de gourdes. Ok? 227 millions. Ok. Maintenant, donc, je vais demander pour monsieur Saron Bakod. En allez, nous partons. Maintenant, on y a là. Et total décaissé par le SNGRS. En effet, responsable dans l'institution, ils volaient plus passer 125 millions de gouttes. Ouais, 125 millions de gouttes. Dans le cas d'achat, ils ont achat fait pour et diesel, qui donc gaz pour mettre dans la machine, pour faire la machine fonctionner. Germain Polémon, actuel DG, et Max Alex Joseph, actuel DG adjoint. Yo confirmé, ba ULCC,
yo te gen habitude vraiment utiliser carburant sa yo institution à des fins personnelles. Yo admet. Pas dire là. Oui. Yo admet que yo utiliser gaz qui gen pour institution à des fins personnelles pour régler bail pa yo. Il fait des aveux, il fait des aveux. En effet, ULCC mandé pour Action Publique mettez en mouvement contre Germain Polémon et Max Alex Joseph pour abus de fonction et détournement de biens publics. Et OK, de biens publics. Et Bibiana Belizer pour recel et complicité. Bibiana Belizer pour recel et complicité. ULCC exigeait que les comptes de Germain et Joseph soient gelés provisoirement pour faciliter la restitution du montant volé. C'est ça, c'est. Mais ça grave. C'est Germain. Écoutez, Alex est adjoint. Il va gagner signature. Oui. C'est Germain qui directeur général, qui signe tout le bagage. Alex va gagner signature. Donc qui ça, Alex est là? C'est chargé. C'est Germain. Non, parti. Bon, directeur général adjoint. Bon, vous avez raison peut-être de mettre la tête. Non, mais c'est parce que chaque question. Parce que nous te recevons, Alex, bon, ici, avec ta plainte, que il a pas même réglé. Il va rien droit de sortir. Non, il va adjoint. Il va ordonnateur. Direct. Non, il va dans ça. Troisième dossier. Oh, oui. Vous connaissez. L'ex-ministre des Affaires sociales, Pierre-Rico Audenay. Pierre-Rico Audenay. Avant hier, il y a un monde qui a fait mieux et ça a été confidence. Qui a fait mieux confidence, nous connaissons. Dans quatre dossiers machines, il y a écrasé moi. Ariel Henry, il était tapé fonti par là. Monsieur, il dit, monsieur, dégagez-nous, monsieur. Rico, même ou même. Dégagez-nous, jouez une cob pour remettre monsieur à la machine. Rico dit, et pas de problème, premier ministre, couli sous côté, lui dit, là, qui a d'autres bails, ça, vous le dites. Expliquez ça encore. Et puis là, j'allais dire, Rico et Rodney. Oui, Rodney, c'est l'État. Rico, Pierre-Rico Rodney. Gros monde qui a mon confidence, qui était proche gouvernement. Bah, ça va être sorti là, non? Mounan dit, moi, que premier ministre Ariel Henry, les négio. Monsieur avec Saturné. Il dit dégagez nous comme Jacques remettez ça les machines. Cherchons façon pas connait pour bailler ça les machines. Pierre Rodney dit oui excellence. Couli premier ministre fin déplacé, monsieur dit n'yo on pas regarde tam dit bailler ça. On bailler regarde tam remettre machine dit bailler ça. Mais on bailler comme ça. Pierre Rodney. Je dis à prendre un show. Pierre Rodney. On allez. A sollicité auprès de l'ONA un montant estimé à plus de 22 millions de gourdes pour l'achat de kits alimentaires et sanitaires. Et l'ex-DG de l'ONA, Jemley Mac Jean-Baptiste, a répondu favorablement à la demande de son supérieur hiérarchique en ordonnant, et vous l'avez voulu révoquer et Michel lui, comme administrateur. Michel, pas votre nom à d'autres avec nous. Maintenant, vous là, à la demande de son supérieur hiérarchique, en ordonnant à sa direction financière d'émettre des chèques à l'ordre de 4 fournisseurs de produits. Et là-bas, 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 vous connaissez. Oui, c'est 4 fournisseurs de produits. Pas d'exemple, mon père, non, ils ont eu. Ça va pas les faire. Pourtant, non. Fournisseurs, mon père, non. Vous n'avez pas de nous vivre sous Fanes Lague. En allez. Attendez, Louko. Saga dépôt. 5,468,181,095 gourdes. Fond Providence. PA. 5,518,447 gourdes. Nérésia Distribution. 5,526,675 gourdes. Et Chama Distribution. 5,498,361 gourdes. Ça fait 4. Lugo! Mais ça qui doit là. Ils ont parlé pas le mais. Oh moi. Oh moi. Louko. Toutes ces entreprises subventionnées, ils ont tendance cité talé là. OK? Yo soumet by l'ONA. Yo remet by l'ONA. OK? Des pièces justificatives périmées. Oh. Oh. Oh.
ouais, soit font deux demandes de subvention là dans n'importe question. Donc, au fond on a pas gain et comptable public. OK, on va demander pour que le nouveau directeur général là on vini, faut que nous gain plus contact public dans on a. Pas que grade t'a fait non là. Regardez Louko. Quel que soit demande de subvention fait. Si pièce ou pas valide, il n'y a pas de droit à débloquer comme Babao. Il n'y a pas de droit à débloquer. C'est ça qui fait que le comptable public est important. Ok, Louko, nous n'y a pas soumettre by ONA, il y a soumettre by ONA des pièces justificatives, mais pièces ça, il n'y a pas valide. Il y a périmé. Ça veut dire que vous périmé, ça veut dire que vous n'y a pas payé. Il n'y a pas répondu à critère. Il n'y a pas payé DGI. Il n'y a pas répondu à critère. Yes. Ou bien l'argent quand même, ou dûment responsable. Correct. Aïe, 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 aïe. Dûment responsable. J'aime le Jean-Baptiste, donc ancien directeur. Dûment responsable. Ok. Lorsque jeune garçon, on va chercher un job. Et puis on va faire un job sale, vous supérez l'IHQ. Ok. Le document. Odné, son nègre, m'a bon menti. Ah, c'est pas mes dossiers, je viens de monsieur. Faut s'y rappeler. Le quoi? Ça va passer. Le document. Moi, tu es honnête, Louko. Leur document, il y a des documents ça ou même des cité là là, question de saga dépôt et God Provid et Nerezia distribution, Chama distribution, Louko de di, so konnen document ça yo pas figuré sous registre fiscal DGI, immatriculation fiscale yo, ni patente yo jusqu'à date yo pas validé, yo pas enregistré sous DGI. Ça veut dire que c'est le fond. Pourquoi l'a dit? N'ayez pas passé sous côté. Maman est bof. Bon, vous dites, s'il vous plaît. N'ayez pas passé sous côté. Il fait document ça. Il fait document ça sous côté. Et puis, pourquoi qu'il a volé comme il a dit? Oh! Mais, c'est pas volé. Non, on a vu ça. Mais, toujours. On a les. Non, mettez non. Ok, il pas validé. Louko Desi. On allait. Elle n'était pas éligible. Elle dit Moun Sao. Elle dit Institution Sao. Yo pas éligible. Yo pas éligible. Ok. Yo pas éligible. Chef qui paye l'argent. Ok. Responsable. Yo pas éligible pour faire affaire avec le ministère de l'Affaires sociales. Pierre Ricoté a utilisé 4 fausses entreprises pour voler l'argent de l'État. Oui, en conclusion. Oui. Demande que l'action publique soit mise en mouvement contre ce dernier pour abus de fonction. Vous connaissez? Bon, ok. Est-ce que monsieur vous êtes en voyage? Bien qu'on est. Ok. M'besoin Kay Odney. Dans le moment où on parle là, m'besoin pour IDCBJ identifier Kay monsieur Odney pour moi. Ok. Et pour m'connaître qui bon monsieur aïe. Ok. Pour m'besoin qu'on est qui bon monsieur aïe. Moi besoin qu'on est côté monsieur aïe. C'est pas un journaliste enquêteur. OK. Moi besoin qu'on est côté monsieur ou Pierre Ricoté. Oui, il bat des machines neuves, il bat acheter. Ça va rien loco. Écho. Machine neuve qui acheter 21 milliards de goud. Affaires sociales. Ministère environnement. Tout ça est là. Dossier ça. Ça va rien devant ça ou pas joindre sur et Pierre Ricoté qui c'est ministre affaires sociales. Madame monsieur. Tout fonds assainissement passé dans mes Rico, Pierre Rico, Odney, ok? 21 milliards de gouttes sous Ariel, li passé dans mes, ok? Pierre Rico, Odney, pas j'aime une explication que vous voulez. Ministère environnement, oui. Ministère environnement, oui. Ça c'est un cas, oui. A fait dossier, on a, ça c'est un cas, oui. Mais son miwa. On a les, l'autre nom, mettez-le toujours, mettez-le. Bon, je cherche la diplomatie pour nous. On a les tout, non, pour côté là. Et PNCS, on a la PNCS. Et PNCS, t'allez, moi, vous m'avez continué à faire le débat, moi, ils ont eu un bel téléphone de la douette. Bon, moi-même, papa nous m'a dit, moi-même, et ça, c'est mon gémoné, c'est mon gémoné. Mais bien, matin, dans tout matin, mettez 2 minutes, vous allez mourir. Qui est ça? Madame Fanez Laguerre. Où? C'est si bas ça. Madame, vous songez hier matin, permettez dans tout, d'abord que si il y a corruption dans le PNCS, mais qui va le café, est-ce que nous établissons ça hier matin? Hier matin, nous avons parlé de achat manger naturel. Effectivement, dans le rapport, c'est justement là que vous voyez que Madame Fanez, donc pratiquement, a détourné de presque 250 millions de gouttes dans le PNCS. Nous l'avons Si c'est pas lui-même qui détourne, il faut des explications.
Non, oui, là. Ok, là, c'est explication. Si tu étais compagnie, même avec Pierre Oudne qui décoce, et 22 millions de gouttes on a avec des compagnies. Explication. Ah ben, c'est, probablement, c'est ça que c'est à jouer. J'ai fait, moi, j'ai eu. Gardez rapport là, gardez dossier de Mme Fanezagé là. Et puis, il y a Mme Marianta Méoné. Donc, dans Pétionville, avec Jean-Oslin Lambert, dans Pétionville, ça, c'est là une belle parler de questions passeport qui a rapport avec diplomatie également, donc avec le dossier passeport. Ben, deux, c'est passeport. Le dossier, Mme Fanezagé. Ben, deux, c'est passeport ça. Vous changez les hommes moulantés là. Les hommes moulantés là, où tu mènes un matin débat là. Gon pile là, j'en passe pour Washington. Tout employé qui dans section production passeport non ambassade d'Haïti à Washington yo tout gédjaré qui t'a passé directeur immigration qui c'est Stéphane Messin ouais débarqué en visite surprise. Stéphane Messin, directeur actuel immigration et immigration, débarqué dans Washington, la réunion, yon visite surprise. Deux mètres en tête pour nous l'envoyer, yon tout gédjaré. Ah bon? Pierre-Matin dans tout. Ah bon? Ah ouais, bon? Donc ce passeport, regardez que son, ses côtés, il y a des anciens parlementaires, des parlementaires, des ministres, des anciens présidents. Yo, prends bagage ça en otage. Bon, nous, Père Matin. Oui. $100 au payé pour faire passeport. Laisse ça. Si on vit Miami ou on continue la Miami, hein, on paye $200. Ou remplir un formulaire. Ou baille $200 et puis on devine pour va soit tel. Consulat Miami qui s'arrête pour faire. Libre formulaire ça. Livre Washington. Avec $200. Il est capable de concours pour déposer le boulot. Qu'on a Washington pour du passeport, qu'on a Washington retourné passeport par Miami, Miami qu'on a livré haïtien, mon citoyen haïtien passeport. Est-ce qu'on a? Ouais. Eh bien, qui ça n'a fait? Il y a plusieurs réseaux dans ce moment-là. Au lieu que n'a utilisé consulat, ils ont créé des agences de TBO à gauche à droite. Dans toute Miami, dans toute Nouvelle-Jersey, c'est tout côté où on a une diaspora net aux États-Unis. Et puis tout formulaire dans la rue. Le matin, des nègres là actuellement là comme si qui m'a mis, qui font voyage Washington, Miami dans bus, dans ramasser moun dans la rue là, qui besoin passeport en urgence, moun ça paye presque jusqu'à $1,000, li monte dans bus là, yo mène Washington, là li veut faire bon ligne comme son ligne urgence, yo remettre passeport dans deux jours. Il y a des gens qui ont payé jusqu'à $1,500 américains de matin à tout. Pour aucun passeport. Un passeport coûte $200. Donc, monsieur, il y a un système qui là et qui est dans l'ambassade là, le matin. Il a depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 30 ans. Donc, son système mafieux. Donc, ça veut dire que, on imagine, on a qui fait $400 par passeport. Il fait 1000 passeports par matin, c'est $400,000 ça fait. Donc, et 1000 passeports, ça n'a pas rien par matin dans tout. Donc, nos seuls réseaux, madame, c'est de oui. Nos seuls réseaux, sous question passeport, l'ambassade haïtienne qui est Washington, nos grands réseaux, nous avons fait $400 par passeport. Dans le réseau, ça. Là, pour ça fait 1000 passeports par matin, il fait $400,000. Et $400,000, il fait dans un mois, il fait dans deux mois. Pas qu'un plus bon job comme ça, non, aux États-Unis. Attendez, mon frère. Je tiens là, madame, monsieur. C'est pas de l'argent Haïti pas perdu dans la question diplomatie, dans la question passeport. Et Gaï Koni, monsieur Ndadinza, Gaï Koni, l'île pour venir, il faut clean up. Et pas j'aime bien de dire que, pas oublier que États-Unis fait mettre au tribunal en Haïti. Ce j'aime de dire ça. Nous tout oublier. Donc, question corruption. Regardez qu'on est dit que la finale veut. Parce que c'est corruption. Écoutez, États-Unis a peine mettre un tribunal international en Haïti. Et en Haïti? L'abtou font prison internationale.
Bon, probablement. Ok, maintenant, on a la question passeport, Pétionville. De madame Marienta Néoné. Ok. C'est lui-même qui est responsable centre de réception et de livraison de, d'identité des documents d'identification. Nous sommes de dire que CLDIO, centre de réception et de livraison des documents d'identité, qui tout côté que je viens de me créer, c'est des anciens parlementaires qui sont responsables. Et comme ça, ils collectent chaque jour une question de passeport, ils ne sont pas entrés dans la caisse d'État. Il y a été un poste parlementaire, ça, malheureusement. Parlementaire, ça, on mettait, tu ménages, tu boubouches, tu fais mieux. Pour gérer la chute. Et c'est le même bail, ça, oui. Marianta, mais on est qui n'a rapport au LCC, qui m'a demandé un peu révoquer pour saisir à voile, pour mettre en prison. Avec M. Jean-Oscar Lambert. Il a pas de l'idée avec le sénateur Lambert, mes amis. Et pas Lambert, non, ça, c'est Lambert qui n'a immigration. Son on cadre dans l'immigration et bon baron ça baron ça non monsieur une vela technique là c'est un nèg moi même connais qui connait travail bien baron ça passé comme on a fait là pas nous on ne sait pas ça moi même et pas nous c'est monsieur et Lambert et Lambert ah il est là oui c'est Lambert c'est là venir tout journaliste venu, il bon service au Amdoula. Non, c'est bon bagaille bon zezen. Bon, monsieur. Je aussi l'embête pas nous amis nous. Oui, c'est monsieur. L'embête pas nous. L'embête pas nous, frère. C'est même je pour faire zague. Là là faire zague mon pas nous mais monsieur c'est temps de bail ça oui. En tout cas, je dis la bien matin à toutes. Le combat là. Décide pas pour carreau pour aller défendre tête. OK. Quand même. Donc donc tu es que décidé par avocat pour aller défendre le pays. On a des cognats et ça a eu notre diplomatie. Avant diplomatie, EDH. EDH. Et USCC exigeait que l'action publique mette en mouvement contre et plusieurs caissières de l'EDH, dont Naomi Cantave, Molange, Chantal Thomas-Jean, Mona Sandy François, Héloïse Valbert, Pierre et Edmond et Célestin pour détournement de biens publics. En effet, chaque caissier sa yo te gagné un code secret qui te permet de passer écriture sous logiciel EDH utilisé. Amen. Et personne pas de droit communiquer et code ça à n'importe qui moun. Donc et sinon abstractionné. Et département ça a joué un rôle crucial dans rentrer avec sortir l'argent institution. Donc l'État fait confiance, on pas de utiliser l'argent l'État n'importe qui. Et Chantal Jean Thomas détournait plus passé 3 millions goud. Naomi Cantave détournait lui-même beaucoup de parle 17 millions goud. Sandy Monia François détournait lui-même 1 million goud. Elmise Valbert Pierre détournait eux-mêmes 600 000 goud. Et Edmond et Célestin détournait lui-même 135 000 goud. Au diable. Ça c'est un t-shirt. Un t-shirt. Ah ouais. T-shirt. 500 000 goûts des amis. Vous connaissez. 135 000. Vous connaissez. Vous connaissez t-shirt en pile. Ah oui, c'est un t-shirt, mais t-shirt en pile. Donc, il y a un pile coup de zone. Et ça, il y en a avancé. Au niveau de la diplomatie. Ça, c'est toujours. Nous parlons de la diplomatie. Tête droite, on a fait. USCC recommandé pour Action publique mettez en mouvement contre Léon Charles, l'ancien directeur général de la police nationale, oui. qui s'est représentant permanent. Permanent, AI. AI. Et auprès de l'Organisation des États américains, l'unité de lutte contre la corruption dévoilée. Non, Léon Charles, non plusieurs personnalités. Parmi eux, ancien directeur général là, Léon Charles, qui pas fait aucune déclaration patrimoine. Et me rappelle mieux dit monsieur Zap tape construire caille qu'à la porte qu'on finit pendant le premier mandat pendant première fois le devine tête la police là. Et mais caille là ça c'est fini là. La fini. Oui Michel. Attendez non, attendez Isaïe. Oh, l'année qui pays après assassinat Jovenel Moïse. La loi Washington. Eh ben faut regarder qui caille gagne, il achète une machine claire. Go bagaille. Go causer. A quoi va monsieur? D'abord sous nous. Oui. Première fois, monsieur, va directeur. Deuxième fois, il n'est pas de 100 000 dollars.
Rappelons que Léon Charles t'est inculpé tout. Mes amis, il y a un problème dans ce soudain-là. Il a été inculpé, monsieur, dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, il est accusé de meurtre, tentative de meurtre, possession. C'est ça. Et oui, il y a quoi ou à Blonan. Il n'y a pas eu un CCA, oui. Non, non, dans le dernier, alors c'est un rappel qu'il fait. Il y a eu monsieur, c'est un inculpé lié. Léon Charles sont inculpés. Donc, son héritage de mettre de côté pour machine Bacrasel. Et possession et port d'armes illégales. Complot contre la sûreté intérieure de l'État. Ça, vous avez dit des moyens, hein? Complot contre la sûreté intérieure de l'État. En tout cas, nous parlons de diplomatie. Non, je suis rapide, rapide. Et dossier de diplomatie. Ok. Nan, allez, Louko. Yves Jaoudi. Nan, allez. Oui, vous m'avez parlé. Yves Jaoudi, ambassadeur d'Haïti au Mexique. Ok. Josué Jean, ambassadeur d'Haïti en France. Jules Samuel Rockefeller, consul au consulat d'Haïti en France. Bataille France, une bataille. Ambassadeur d'Haïti en Allemagne. Leslie Benoît, ambassadeur d'Haïti au Vietnam. P. Wedlin François, ambassadeur d'Haïti au Chili. Guerrier François, consul au consulat d'Haïti à Dajabón, République Dominicaine. Walfo Sager, consul au consulat d'Haïti à Aouba. Luc Garvey Jean-Pierre, ambassadeur d'Haïti en République Dominicaine. Ricardo Ralph Jean-Philippe, consul au consulat d'Haïti à Orlando. Mounzayo, yo gagné. Et la justice haïtienne, il y a un collimateur de la justice haïtienne suite à rapport ULCC ça. Pour question de corruption, également pour question de déclaration de patrimoine. Ok? Donc, il y a gagné en pile non. Pratiquement, donc, et qui peut venir parce que l'on prend des gens qui gagnent des organisations fictives, des business qui pas existé. Dans le cas par exemple de Madame Fanez Laguerre et également l'autre monde que nous citons là matin là, ou carré que Fanez Laguerre n'a pas gagné pour avec la question. Qu'on y a ces mounes à eux, côté, non, c'est non qui sont business là. Même avec Rico et Pierre Audenay. Ces mounes à eux qui sont sous business fictif à eux, qui va gagner pour passer tout devant la justice. Maintenant, probablement, l'autre monde qui a passé pour complice. En tout cas, là, son dossier que l'on suivi ici à l'émission Matin Débat. Mais pas matin, les Haïtiens que nous disons là, faut que c'est pas là, vont bon qui tombe. C'est pas le premier rapport que l'USCC voué dans la justice. Ok? Au seul, ça que seulement me comprenne. En tout cas, messieurs, dames qui sont dans la diplomatie, surtout messieurs, dames qui sont dans l'ambassade Washington, l'ambassade en Haïti, Washington, préparez-nous. Préparez-nous, ok? Préparez-nous, mettez causez-nous, mettez à faire nous le monde, préparez-nous. Mais est-ce que automatiquement nous sortons dans le ça ou sont suspects ou bien est-ce que ou t'es toujours continuer à baisser non, non. En fonction? Non, non, c'est mandé pour révoquer Mounio. C'est tout mandé pour révoquer Mounio. Voilà. Ça c'est le premier bagage là. Parce qu'on va pas obliger le matin. Ce qu'on doit c'est devant la justice. On va pas capable aujourd'hui d'arrêter dans l'État. Sauf qu'on est dans l'État. Yeah. Ok? Donc là, on a Breton. Mais dis encore, ma répété. Le premier rapport que l'ULCC voué devant la justice, je dis, il a choisi un grain. La justice qui a décidé, soit il choisit un grain, avec ça, tout reste là. C'est cassé fait, couvre ça. Bon, en tout cas, la Breton pour nous. Ok? Esaïe, vous parlez l'autre nom? Nous pas gagne l'autre nom mais nous prenons entrer nous gagne pour nous entrer Jérémy nous gagne pour nous entrer Port de Paix et est-ce qu'on était deux nous était deux pour matin toi point que faites là tout côté faites matin débat tout côté ah non bah comment ça rentrer là Jérémy dans diaspora là pour matin dans tout café de la caillou nous va voir vidéo tout à l'heure OK tout matin débat donc faites là pratiquement tout côté. Donc, merci Béatrice. Faites là tout côté. Donc, oui. Là, moi, oui. Vous image pour nous, monsieur, pour nous, ça va passer là. Mais nous gagnons poche tout, papa. Nous gagnons poche parce que nous gagnons mon pizza. Mais bagaille, mais, pizza, bon. Gâteau,
Ok, Babankou, donc faites-la tout côté. Non, 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 mais dis-moi qui côté non là. Si vous avez 15 personnes pour me voir aller. Du Florida, du New York, du New Jersey, du Canada, à Old Tulier. Enfin, mais ça, c'est un peu pile. Non, mais, bon, okay. Ma voix moune, mais quelque chose que vous faites là, ma voix moune. Hein? Voix moune. Voix moune. Moi, je m'en adresse à vous. Voix moune. Ok? On a les. Nous avons deux propriétés, on a les deux matin. Haïti et sécurité. Les opérations de la police, c'est. S'intensifie au bas de la ville, certains chefs de gang sont paniqués et se disent être prêts à négocier. Bon, et Gary Conny, notre dernière adresse sous question d'insécurité, il classe sous appel matin à tout et outendez déclaration commandant responsable et MMS là, en fait tout pays Kenya et MMS là donc en Haïti, dit que pas gagner tête et langue avec Mandi, il peut l'attaquer yo. Ni en l'air, ni à terre, ni dans la mer. Oui. Et le secrétaire américain, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a rentré demain matin en Haïti. Il a rencontré d'abord le président Edgar Leblanc-Fils. Il a rencontré Gary Conny avec le ministre des Affaires étrangères, également directeur cabinet, Gary Conny, là, qui c'est Nessim Maniga. Oui. Après ça, l'a rencontré commandant chef MMS là, ok, qui c'est également donc commandant Kenya, troupe Kenya. Et puis l'a rencontré dans Miliamo. Après ça, l'a pris un avion pour aller République Dominicaine même matin à tout. Ok. Ok. Donc, Gary Conny, question, question, l'Ipanan, tête et langue avec Bandi. Nous, et barbecue, qui a fait vidéo, il prend gaz, et il a pris. Tu l'as appris que lui-même, donc c'est sous négociation liée. Barbecue, quelle est sous question, c'est sous négociation liée. Monsieur Mabdi, non, bagay. Pour moi-même, je pense que, si international la composition comme ça en face nous, côté que je dis que, il va mener bataille en face nous, ni en l'air, ni à terre, ni dans la mer, ça veut dire que le game n'est fini pour nous. Si nous avons dit là avec eux, le game nous était pour nous faire là, c'est dénoncer. C'est à qui est-ce que nous avons dit? Moi avec barbecue, ou comment c'est fait? Moi parler de l'histoire avec Saliba, avec Toyota, moi ou comment c'est parler? Parce que sous pendant les batailles, maintenant t'as tout que ou qu'a perdu ou qu'a gagné tout. Maintenant je dis à monsieur, si vous voulez négocier, pour moi-même il est pratiquement trop tard parce que international là, c'est certain que nous-mêmes nous avons contact avec international là. Nous avons contact avec des nègres qui là dans le secteur privé, qui dans le business, dans le commerce. Parce que quand même, jouer à l'arrivée là, c'est que blanc pas caqué encore. Dernière information pour mettre dans tout. Oui. États-Unis t'a demandé pour non MSA les transformer en mission de médecin de paix pour qu'à faciliter le financement. C'est-à-dire que au lieu de lycée MMS, changer le cognac en mission de soutien de paix. OK. Pour qu'à faciliter donc le financement. Nous a dit que États-Unis voulaient prendre responsabilité, mais il faut capable une bonne formule pour ça. Et nous avons songé sous CNN en mars 2024. OK? Donc capable de nous article côté que États-Unis te promettent 300 millions de dollars donc pour MMSA donc en Haïti pour force multinationale. OK. Là, il prend responsabilité et Blinken va venir là demain. Son nouvelle étape qui va prendre. OK? De grosses décisions pour faire payer l'Haïti. Et je te dis là, ce matin, débat. À partir de ce week-end, toutes les données politiques sont changées, bien maintenant, toutes. Et je dis à madame, monsieur, à la fin de cette journée, je dis à, gardez-vous, ça ne va pas passer dans le CPTA. Parce que je dis à, nous sommes ensemble, puis qu'on est qui décision à prendre, sous question présidence tout notre temps, également, sous question scandale BNC avec les trois conseillers. Donc situation de moment là, ben raté. Dieu n'est glacé. Tu as les gouni des politiques là, regardez. Gouni des politiques là dans le pays. Qui ça dit? Pas que les gens j'école. Est-ce que bon d'où? Et ma tête à tout. Ça va passer aux États-Unis avec Venezuela.
Gardez ça qui passe États-Unis. Gardez ça qui passe Jovenel Moïse avec États-Unis. L'assassinat du président Jovenel Moïse a été planifié aux États-Unis d'Amérique. Et si effectivement ça nous est assez salié, et que des agents de FBI qui l'ont participé à l'assassinat de Jovenel Moïse, ça, c'est pas grave. Et pas qu'il y a de l'eau qui prend la vie aux États-Unis, question ça. Comprenez bien? Vous avez dit que Jovenel Moïse était déjà bas au tout bagaille. Lui-même divorcé avec Venezuela. Ou dossier américain. Pendant que Venezuela fait nous bien en pile comme haïtien. Et puis ça passe. Pour leurs intérêts. Parce que justement, montrer que aucun font leur doute. Qui s'est passé? Je planifie assassinat. Donc, vous pensez que je dis. N'attends pas, c'est l'exemple qui est tracé. Aïe, 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 il peut mettre dans tout. Alors, vous pensez que monsieur CPT, là, comme si Ben Gen Givin, là, comme si il parle dans la tête avec eux. Attendez des nouvelles pour eux. Information. Leader politique, ça. Qui te qu'on critique les Américains. Ok? Et tout pays a une position face aux Américains. Pour nous, on peut être tout bas Américain, retourne boue. T'es chargé. Le matin. T'es chargé. C'est nous qui avons fait politique avec sentiment, bah, et nègre. On a fait politique comme si, comme petit nègre. On va vouloir un tel pas bon, comme finir un tel, qui devient un tel. Politique fatra. Politique la boue. Politique la rue. Ok? Donc si vous voulez, si vous avez une situation de table, vous avez planifié, nous dit, mais ça ne veut pas, mais vous voulez aller, mais qui vision que nous tous nous dégageons ensemble. Donc les données politiques vont changer à partir de ce week-end, madame, monsieur Haïti. Avec la visite de monsieur Anthony Blinken. Songez que nous connaissons, tenu ça dans l'émission à Télébat. Les données politiques sont changées à partir de ce week-end en Haïti. Et bon. Gaï Koni, clair sous question. On voit que Gaï Koni insistait en pile sur de la corruption. Parce que corruption, il y en a. Et le fait de nos niveaux. Monsieur, permettez, Gaï, qui va passer là? Pas de côté, pas de corruption, Louko. Pas de pays, pas de corruption, Louko. C'est institution qui est là pour tracer exemple. C'est yo pour tracer exemple. Mais d'accord, mais il vient systémique. Mais ça me doute. Que tracer exemple. Tracer exemple. Donc c'est. Même si j'ai une corruption à faire avec force, il faut que l'exemple soit tracé avec force. Même bagaille, même réponse à vous. Même bagaille. Même réponse à vous. Donc là, on va la permettre à tout. Les camper, ok. Les camper en bas. Les camper dans le bas de la ville. Là. Et si. Bon, je ne sais pas. Pas de personne qui a dit que Babekou va paniquer. Bah bon aussi. D'ailleurs, Babekou est que dans ce moment-là, c'est son dernier offensive qu'a fait celui. Lui-même a campé Goumé. Et l'on va gagner dormir la nuit ou pas capable de paniquer. Ah mais l'annonce c'est qu'il y a bien un réponse en bloc, oui. Ah ben non, t'es bien. Écoutez, mais d'où c'est campé la campé Goumé. Mais debout décidé, depuis c'est le campé Goumé, ou pas capable de paniquer. T'as coup, il y a moi le fond vidéo, il prend gaz. Debout ne prend gaz, c'est quelque problème. C'est quelque problème. Et parce que là, la police campé. En bas, dans bas la villa, Delma 6, Delma 2, ok? Oui Capois et oui Nicolas, donc en bas la villa, Seul Solino, Belair, la police camp. Annoncé que la BA, la police, toute unité spécialisée avec Kenya, ok? L'immobiliser avec CPTA pour question et sécurité à les résoudre le plus vite possible. Maintenant, la grande question que je vais mettre dans tout, pour que ça, Gaï Koni, pas j'aime parler de Bessap. Oui. Alors que Bessap, là, il y a un paquet de travail qu'il a fait dans le pays actuellement. Oui, mais pour ça, pas parler de Bessap. Est-ce que parce que notre parle, Bessap, son structure qu'il a spécialement pour question environnement, pas qu'on est. Et pas oublier, monsieur le Premier ministre, que chaque son qu'un haïtien qui vient ZAM dans mes et selon chaque Bessap, je ne pas quoi, je ne sais pas si je ne sais pas quoi, que Gokote qui dit que ZAM dans l'État haïtien qui l'a baillé. Je ne sais pas. Alors, quand tu parles, je parle avec toi là-dedans, je dis que, en dessous, tu dois même lui permettre que vous-même vous venez avec ZAM baillé.
Bon, en tout cas. Donc là, on a pour éteindre, vous n'avez pas maintenant dans tout. Mais les données politiques vont être changées. Donc, d'ici ce week-end, on nous éteint demain. Ça va le dire entre Anthony Blinken avec Guy Kouni, également le président donc, et Edgar Le Blanc-Fils. Mais là, on a compris que un de ces pays, bonne décision qui a pris aujourd'hui, et que l'autre décision qui a pris pendant le week-end, après la visite de M. Blinken. Alors, pour ça, je vais dire un bagage. Je n'ai pas ta souhaité pour notre tête Guy Kouni pour le penser pour le prince. Correct. Comme si c'est Port-au-Prince qui tout bagaille là. Parce que Bessap là, c'est l'homme monté plateau central ou près Valet Bessap là. Valet Bessap là. C'est gon conseil de côté à passer ou pas jeune, c'est Bessap là seulement. Oui, Tigouave tout également, on va la mettre. Ah, ben bon, Tigouave, c'est une côté qui gon équipe Bessap qui était bien campé. Qui j'aime. Réservez-vous là, oui. Équipe Bessap Tigouave là, gon bagaille qui rive yo. Faut qu'on comprenne bagay la, oui. Ce n'est pas mon petit goût, vous ne comprenez pas. Comprenez. Yo gon arrestation, yo gon information, son élément dangereux. Yo arrive kembe élément genzamon, élément dangereux dans la section communale. Yo le responsable petit goût, ma parle au commissaire gouvernement, yo le bagay chef de la police. Yo pas occupé yo. Responsable Bessap la fait tout ça le capable pour joindre téléphone Miskaden. Côté il y a pas Miskaden, il t'a donné le nom. Là ouais, Tigouave pas occupé. Yo prend contact avec Miskaden. Miskaden demande responsable Bessap la. Est-ce qu'on sûr ou gagne élément dangereux en amont? Il dit oui, mais non, mais nous là, Tigouave pas occupé nous. Miskaden déplacé venir chercher lui. Non, attendez. Bah même comment dire, écoutez, si nous voulons résoudre le problème insécurité dans le pays, pour utiliser les ressources que nous avons, ok? Là, Bessap quand même, quand vous voulez, c'est un groupe de citoyens, c'est qui veut travailler, même jeunes en diaspora, un groupe de militaires, anciens militaires de l'armée américaine, qui souhaitent venir en Haïti, venir en Coubain. Maintenant, si comment nous pouvons organiser nous pour utiliser les ressources, pour pas ça finir une fois pour toutes. Maintenant, est-ce que vous êtes en face de nous là, si tu l'as pu venir négocier, bon, est-ce que gars est connu pareil là? Est-ce que si barbecue fait négocier, ok, et nous t'en de l'embossant, nous t'en de barbecue, nous t'en de tilapli, négo voulait négocier. Mais monsieur va demander nous, est-ce que étape ça n'est pas épuisé déjà? Oui. Est-ce que pas trop tard? L'embossant, je vais de négocier. Il dit lui-même, la goumen net à l'air, que son bouvin prenne la goût pour être là, il va à sa pièce. Et je crois que c'est même position barbecue avec tilapli. Mais étape ça... négociation, monsieur. Est-ce qu'on ne va pas passer déjà? Tout le monde a dit le matin débat. Ah. Alors, ça ne veut pas comprendre. Ça, le matin. Oui, mais ça veut dire comprendre. L'un pour négocier, pour bien négocier, c'est leur position de force. Sous qui te période pour la passer dans le moment pour négocier, ou bien force, ou pas négocier, Walton, c'est leur en faiblesse. négociation ne va pas passer, j'en souhaite, non? Parce que il était une force pour te négocier. Au moment vraiment, il était qu'à négocier. Il faut que pas quitter force diminuer. Je laisse ça maintenant tout. Madame monsieur c'est matin débat qui a parlé là. Les vivants sont en position de force pour te négocier, c'était le moment côté que Ariel Henry était dehors. Ouais. Et ça est pas bloqué. Ouais. Vivants sont bloqués et porte là. OK. Vive ensemble a fait manifestation. Laissez nous mettre débat. Je dis, monsieur, dégagez-nous, changeons le monde qui pour aller représenter nous. Pour la chita sous table de négociation, laissez-nous un débat qui a fait sous formule qui a eu comme CPT débat comme ça. Et c'est un moment où ça a tout bien maintenant, tout songer. Guy Philippe, nous, Guy Philippe, là, vient envahir tous les réseaux sociaux. Et c'est un moment où ça me dit, monsieur, barbecue, ISO, tu l'as pris, le mensonge joue. Dégagez-nous, nommez un représentant qui pour aller représenter nous sont table de négociation. Et là, ça a rien envie d'ailleurs. La goumée pour l'entrée dans le pays, un peuple bloqué, tout pour bloquer, vivre ensemble bloqué, tout côté, là, ça est en position de force. Maintenant, je dis à la yo en position de faiblesse. Parce que monsieur Mbabat aussi, pour moi-même, la négociation passée, je dis à la nous gagne de bail nous café. Ok.
après on a une bataille, donc nous allons une bataille dans tout sens. Ok, c'est dénoncer moun, je veux dire qui avec cravate, chita de bisisio, chita de biwoyo, ok, qui vient mettre nous dans cette situation ça. On est capable de dénoncer vous. Et ceci, quel que soit moun. Non, mais c'est. Après ça, monsieur, pour nous goumer. Parce que nous connaissons nous-mêmes nous sommes pour nous goumer. Parce que négociation nous passe déjà, et nous ne pouvons pas dire à tout. Après le mandat de l'État, tout c'est le monde qui a demandé pour faire nous faveur. Ok? Organisez-nous. Si nous avons mes âmes, mes âmes. Si nous avons mes âmes, mes âmes. Remettez-vous. Si vous qui débéillez. Remettez-vous, nous ne connaissons pas fait facile. Ma connaît. Non, mais remettez-vous dans le matin. Sur les négociations, mon coup de fil. Écoutez, moi-même, c'est un tel et tel. Et bien, monsieur, tu fais Jérémy dans mon rond. Oui, dans mon rond. Oui, oui, Jérémy. Et bien, tu fais Jérémy dans mon rond. Et c'est qui a des amis qui te prend contact avec l'autorité dans la zone là. Oui, ou bien, mes amis, vous allez vous dire, écoutez, Ramon, c'est un tel. Même si ce n'est pas tout ou bail. Même si ce n'est pas tout ou bail. Et toujours qu'on a cassé quelques grenouilles, mais au moins, on montre une bonne volonté pour faire la partie marcher. Pour faire la partie marché. Oui, oui. Oui donc, si une négociation, oui. Mais pas oublier que l'étape pour négocier, nous passer. Qu'on a dégagé nous, monsieur, c'est moi-même qui dis ça. Donc, dégagez nous. Donc, ouais, depuis que nous commençons à dénoncer les nègres, regardez, ma bonne menti. Même les gens, regardez. Les gens qui te mettent nous dans l'affaire, les gens qui te mettent nous dans le business, c'est des gens qui sont aussi puissants jusqu'à présent. Depuis nous commençons à citer nos qu'on y a là. C'est même nous même encore qui va dire gouvernement, attendez nous et négocier avec vous. Attendez bien, monsieur. Si nous voulons vivre en négociation là encore, comment c'est nommé nos mouns à eux? Il y a le devant, il y a chargé à le devant. Oui. Ok? Comment c'est nommé nos mouns à eux, nègres à cravate, qui est aussi puissant, qui jusqu'à vous êtes puissant dans le pays? Il y a chargé à le devant. Non, yon, ou bien deux, on va regarder comme ça. Oui. Alors même nous-mêmes, nous pouvons approcher le gouvernement pour dire, non, attendez, il faut négocier avec vous, monsieur, négocier avec vous. Parce que si on va là, il y a un campé pour vous, blanc, même si nous finissons avec vous, nous connaissons ça déjà. Et qu'on est très bien que les blancs finissent utiliser nous. Ils ne pas jeter nous dans son capote. Nous connaissons ça déjà. Donc, blanc, nous, là, il paraît pour éliminer nous. En tout cas, c'est nous qui connaissons. Donc, mes pays, il faut qu'ils vivent. Et il faut qu'ils vivent. Moi-même, je balgue presque 2 ans à 3 ans, je balle la Tibonite. Je balle au cap presque 2 ans. Faut que je balle presque 3 ans. Faut que je balle presque 3 ans. Donc, je ne suis pas capable. Je balle depuis qu'il est descendu, je descends dans la ville, monsieur. Il faut payer à débloquer. Faut payer à débloquer, monsieur. Faut qu'il débloque. Il faut nous être tous, donc, dans le déblocage là tout. Donc dégagez-nous, soyez des gens intelligents. Parce qu'on a quitté mon territoire. Ok? T'as que l'homme en 100 jours. C'est parce qu'il est intelligent. On a quitté mon territoire, la goumé, ni bataille, parce qu'il est intelligent. Donc, dégagez, monsieur. Goumé. Vous êtes intelligent que nous y a, mon intelligent que nous y a. Vous avez sorti de tout notre crise et puis vous sortir pays. La dans situation ça. Et maintenant, dans toute la propose, vous avez. Est-ce que n'a propose là et pas de problème alors Louko on nous propose là nous pour nous retourner on nous propose là c'est pas de monde qui débarque là donc non mais des bagages qui débarquent là alors grand monde qui mandé pour nous font-il parler pour lui sous question prise par exemple ou gain la ka Louko et puis ou gain compteur ou gain compteur et puis ou paye. Vous connaissez qui ça gagne là, Kayou, vous payez chaque mois ou toujours continuez à payer. Il arrive que vous voulez un bord de baou, le gardez ou elle monte, mais haute. Étant donné, vous connaissez, c'est pas comme ça que vous payez. Vous prenez pied ou bien machine ou elle n'a pas IDH. Ou elle fait réclamation. Parce que pas comme ça, vous habituez à payer. Quand il y a IDH, vous connaissez que. Ou gen prise. Ça veut dire que moun nan voisinage là qui prend prise ou mais on pas connaît. Ou pas connaît puisque ou vinn nan EDH pour ka payer comme ou habitué payer. Nan ka ça. Qui est-ce moun nan dit quoi faut que nous dit au mot pour lui. Qui est-ce qui gen tort?
qui est-ce qui gagne temps parce que EDH touche à jour. Oh, ou qu'a toujours dit EDH vinn garder c'est même ça m'gagne la caille moi toujours gagner. Pas gagne bagaille ça yo. EDH qui gagne temps, c'est EDH qui doit superviser réseau mon frère. C'est EDH qui doit superviser réseau. Donc c'est lui même qui doit kembe moun k'a prend prison. C'est lui même normalement, c'est lui même. Donc il faut qu'il y ait des enquêteurs, il faut qu'il y ait des représentants. Parce que là, consommateur qui a toujours qu'un belouko, c'est comme ça l'habitude de payer, il n'a pas gagné en plus. Donc il a toujours qu'un même discours, hein, ou même faut qu'on baille la pente. Sous-monter et prier sur lui ou charger le plus. Il faut qu'on dise pour qui raison. Mais il faut que le consommateur. Et garder côté prise la sortie. Ouais. Capable dénoncer mon sac dans prise là. OK du côté de EDH, mais que EDH tout doit faire travail par là pour surveiller réseau pas. Mais mon temps tout, ce qu'on est que le code de prend prise ou vérifier où est prise là, faut aller dans EDH ou bon technicien faire venir garder et puis ou garder donc et côté prise là et puis ou dénoncer. Ou dénoncer mais qu'on est là c'est EDH mais c'est la justice qui va aller quand même de toute façon. Si vous n'avez pas la justice CDH, si vous n'avez pas besoin d'un problème, il reconnaît qu'il était pris prise là, qu'il baille comme là et puis il débranche. Mais après de ça, c'est la justice, oui, ben ça va arriver. Parce que il n'y a pas l'arrêter mon nom comme voleur, oui. Oui. Ou parce que j'ai plusieurs fois EDH débarqué quand même, parce qu'on est pris et puis il y a tout arrêté à la voie. Oui. Il a go sur fond moi ou bien au fond moi prison. Ouais. Mais mon nan ka mande EDH déplacer et si yo jwenn c'est tel qui prend prison, yo toi là que mon nan.